Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors en ce mois de novembre qui est déjà bien entamé, on commence tous plus ou moins à préparer Noël, en tout cas on y réfléchit sérieusement. Peut-être que vous avez même commencé les cadeaux. Je sais que certains attendent avec impatience le calendrier de l'Avent. Donc voilà, Noël approche. Une fois de plus, je vous ai concocté un concours spécial fête, spécial Noël. Ce concours s'intitule Noël s'affiche. Ah, mystère, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, cette année, pas de boules, pas de sapins, pas d'étoiles. Donc cette fois-ci, dans le kit concours et dans les consignes que vous allez devoir respecter, voilà ce que je vous propose. Donc 6 fanions qui vont vous permettre de faire une très jolie guirlande pour votre déco de Noël ou bien sûr à offrir. Là, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc 6 fanions. Il faudra écrire en mosaïque le mot Noël sur cette guirlande. Et vous aurez également des étoiles en céramique, des étoiles couleur orange et des mini cabochons XS. Donc là, c'est un petit mélange de couleurs. Vous allez avoir du rouge, du orange, du vert foncé, du vert anis. Et tous ces éléments, que ce soit bien sûr les fanions, les étoiles ou les mini cabochons XS, devront être utilisés pour le concours. Et en consigne supplémentaire, vous devez écrire le mot Noël en mosaïque. Alors, bien sûr, une fois de plus, comme vous le savez, moi j'aime aussi la mosaïque légère. L'objectif, c'est pas forcément de recouvrir toute votre guirlande en mosaïque. Donc, bien sûr, vous pouvez. Mais si, comme moi, vous aimez les choses un peu plus légères, et puis comme là, c'est en plus à suspendre, il ne faudrait pas que ça soit trop lourd. Il faut pas que le poids de votre guirlande soit trop élevé. Donc vous pouvez tout à fait imaginer de peindre votre support avant de commencer votre mosaïque. Vous pouvez peindre de la même couleur chaque fanion ou un fanion d'une couleur avec des couleurs différentes, etc. Là, c'est à vous de choisir. Vous pouvez utiliser du papier. Bref, vraiment ce qui vous inspire, ce qui vous plaît. Et puis, je répète, il faudra juste ensuite écrire le mot Noël en mosaïque et utiliser les céramiques étoiles et le mini cabochon XS. Pour réaliser cette très belle guirlande de Noël, vous allez avoir jusqu'au dimanche 7 janvier pour m'envoyer la photo de votre mosaïque. Alors, libre à vous de me disposer la guirlande à plat et de prendre votre photo, ou au contraire, de bien de me faire la photo comme vous avez vraiment disposé cette guirlande dans votre déco. Libre à vous, bien sûr, de choisir la cordelette que vous aimez, etc., pour que ça aille dans votre thème. Donc, que ça soit un ruban, de la cordelette assez brute, du raffia. Je ne sais pas ce que vous allez imaginer, mais une fois de plus, je sais d'avance qu'on va être très étonné. Donc voilà pour ces consignes. C'est un concours relativement simple puisqu'il n'y a voilà, pas d'obligation du tout à tout recouvrir. J'espère que nous aurons à nouveau des enfants qui participeront à ce concours. Un concours peut-être à plusieurs mains de temps en temps. J'entends et vous m'écrivez ça, qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé ensemble au concours. Donc là, ça peut être l'occasion de chacun faire son fanion pour après constituer cette très belle guirlande collective. Donc bien sûr, une fois de plus pour ce concours, il y aura trois gagnants, j'allais dire pour ce défi créatif. Donc un bon d'achat de 100 euros pour le premier, un bon d'achat de 75 euros pour le deuxième et un bon d'achat de 50 euros pour le troisième lot. Et chaque personne qui sera allée au bout du concours, donc qui m'aura envoyé la photo de sa belle guirlande Noël s'affiche, recevra par mail un bon d'achat de 5 euros à utiliser également sur le site internet. Mais écoutez, voilà, ce concours n'est pas hyper compliqué. J'espère surtout que vous prendrez un grand plaisir à le réaliser.
Soyez créatif, travaillez en famille, entre amis. C'est vraiment un concours que j'espère sera festif également pour vous. On se retrouvera donc début janvier, mi-janvier pour le vote. Et puis d'ici là, avec un peu d'avance, eh ben écoutez, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année en famille, entre amis. En tout cas, profitez bien de ces moments magiques. On a vraiment besoin de beaucoup de légèreté en ce moment. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi j'essaie de grappiller le moindre petit moment festif, heureux, joyeux. Alors profitez-en et très belle fête de fin d'année à tous. À bientôt et merci. Au revoir.